Acheter québécois, c'est important pour vous. Pour Andréanne Corbeil, propriétaire de la boutique Au Magasin, c'est capital. On parle justement de cet endroit et de ce qu'il offre avec la principale intéressée. Bonjour. 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 Merci d'avoir amené ces précieux produits québécois. Bien, merci à vous. D'abord, la boutique Au Magasin, peut-être que je me tromperai de temps à autre sur le titre. Ça date de quand? Ça date de février 2009. C'est après un voyage à Vancouver, j'ai eu l'inspiration là-bas d'ouvrir un commerce qui serait vraiment unique, en fait, qui représenterait vraiment les artistes locaux. Là-bas, vraiment, beaucoup de commerces étaient différents les uns des autres, puis je trouvais que ça manquait dans ma région. J'en avais vu quelques-unes à Montréal, mais dans les Laurentines, il n'y en avait pas vraiment. Donc, Puis est-ce que vous veniez d'un milieu qui vous prédestinait à ouvrir une boutique ou pas du tout? Une boutique, pas nécessairement. Les arts, j'ai étudié en art. En fait, depuis le secondaire, j'ai suivi des cours d'art. Au cégep, j'étais en art. À l'université, en art aussi. OK. Puis. Et ça vous connaît? Oui, mais le commerce, j'ai vraiment appris sur le tas, comme on dit, avec la boutique. Et donc, ce qui est particulier chez vous, c'est que tout ce qu'on y retrouve, mais vraiment tout, est québécois, et même, ouais. même la propriétaire. Oui, tout est donc... même les étalages, les tablettes. Ah, oui. J'ai essayé vraiment de faire le plus de choses. Et qu'est-ce qui motive, par exemple, parlez-moi d'abord de ce que vous nous avez apporté. Bien, j'en ai quelques exemples. Ensuite, ce qui motive votre choix, justement, d'accueillir ça en boutique plutôt qu'autre chose? Oui, bien, premièrement, j'ai vraiment plusieurs fournisseurs. J'ai à peu près 80 artistes qui exposent. Ça varie, mais vraiment, là, de base, j'en ai toujours au moins là, entre 60 et 80. Okay. Puis, bien, c'est ça, ça va du bijou. Ces deux artistes-là sont locales, sont justement de Sainte-Adèle. Mme Baudeau qui fait de l'émail sur cuivre, puis la bijouane qui est Joanne. Je le mentionne parce que la bijouane, c'est à Sainte-Adèle, okay. Donc c'est deux joaillières d'ici. J'ai des accessoires comme elle, So Fine, est aussi de Sainte-Adèle, c'est okay. drôle. Wow. Je me suis dit, j'ai amené des choses aussi d'ici pour montrer la variété. Donc, elle fait des vêtements, des accessoires. Fait que ça, c'est comme un châle, disons? Oui, c'est un foulard. Okay. Faites juste infinité, attention à votre micro. Oui, mais on peut mettre ça ici, en tout cas. Ouais. On comprend un peu le... Elle aussi, c'est une couturière qui est des Laurentides, qui fait... C'est pas C'est mon sac, l'entreprise C'est mon sac? Non, c'est TNT Création. C'est tout aussi beau, en tout cas. Oui, c'est très joli. Puis elle est très productive, elle est très... très impliquée. En fait, elle est très créative, mais elle est aussi camionneur. Donc, c'est pour montrer aussi que c'est pas tout le monde qui fait ça, que ça de sa vie. Puis c'est des fois pour ne serait-ce que pour s'exprimer ouais. ou pour arrondir les fins de mois ou pour avoir la possibilité justement de développer un talent. Mm-hmm. Mm-hmm. Ça, c'est les jouets de bois. L'atelier de cheval de bois, eux, sont à Quaticook, mais c'était pour montrer justement... Un exemple de des fois, on veut offrir un cadeau, un jouet, puis on ne veut pas nécessairement acheter le plastique fait en Chine. Bien, il y a des alternatives mm-hmm. faites au Québec. Qui sont durables, en tout cas, ça, ouais, ça doit c'est très être... durable. Moi, j'ai trois enfants, puis les trois ont joué longtemps avec ces jouets-là. Puis bien, ça... Justement, l'importance d'acheter local, ça fait partie, je trouve, d'une conscientisation qu'on a à faire en tant que... Que consommateurs, parce que tout ce qui nous entoure, oui, on a l'option d'acheter fait au Québec. Souvent, c'est juste qu'on n'a peut-être pas le réflexe ou que les lieux, justement, manquent. C'était un petit peu ça ma mission, en fait, mm-hmm. c'était de pouvoir offrir un lieu où, autant pour les artisans, pour qu'ils puissent venir présenter leur création, mais autant pour le client qui veut acheter quelque chose de qualité, qui est original, puis qui est fait au Québec. Et c'est relativement abordable aussi pour ouais, les gens ouais, je me le fais qui ont souvent un peu peur. Dire, ouais. Souvent, les gens pensent que ça va être... très cher parce que c'est de la création, c'est de l'artisanat, mais ça va comme dans le bijou, ça va de 10 $ là, à 200 $. Il y a vraiment... puis dans l'accessoire aussi, c'est assez varié. Puis... Non, c'est vraiment juste le fait de pouvoir aussi venir admirer ce que les gens ont oui. fait. Puis souvent, c'est le coup de cœur qui va faire qu'on est prêt à débourser ce montant-là. Oui, tout à fait. Puis d'encourager directement la personne qui l'a fait et non pas... une méga grosse compagnie. Qu'on peut pas identifier d'une certaine façon. Exactement. Là, dans ce cas-ci, on a des visages, on a des histoires derrière tout ce que vous offrez. Oui, tout ce que j'ai en magasin, je connais les personnes
directement. Donc, on invite les gens à visiter votre magasin, votre boutique, votre vision. Ce serait gentil. Merci beaucoup d'être passé. Merci à vous. Merci. Pour terminer l'émission, voici une bonne nouvelle. Le transport adapté et collectif des Laurentides a lancé le 16 avril un nouveau programme de covoiturage mis en place dans la MRC des Pays d'en haut et dans celle des Laurentides. L'objectif est d'élargir les options des usagers. Pour plus de détails, je vous invite à visiter laurentides.covoiturage.ca. En ce jour de la Terre, on ne peut espérer une meilleure nouvelle. Merci d'avoir été là. À la semaine prochaine.